Ah ouais, parce que Voilà. mon micro, quand je lance le truc, il se coupe automatiquement, ce fils de... Oui. Et je disais que de toute façon, personne ne va regarder, et voilà. De toute façon, je crois qu'il y a déjà le fichier qui est créé, du coup. Tout petit C'est coup. un jeu que tu n'as jamais joué, du coup, tu m'as dit. Et non. Connectus, ouais, c'est bon. Voilà, on avait créé le fichier, mais ça avait, ce FDP d'enregistrement n'avait pas enregistré. Depuis le début. Mais du coup, en fait, il dit que le début, c'est le début, quoi. Voilà. Bon, du coup, on va revoir Ouija. Oui. Je vais te la lire, d'accord? Ah, c'est Alors. cool, du coup, ils ont chacun leur tasse derrière. Oui, j'ai même pas vu. Du coup, oui, c'est écrit en arabe, comme on a dit. Dear Mario, ma Dear chasse Mario. mouker. Cher Mario, actuellement dans le royaume champignard, et au cours de mon périple, j'ai mis sur la main sur une drôle de cartare. Une cartare au trésor. Tu me dis si ça te saoule si je parle en art. Elle est tard dans un coffrard à Shtar et une marchande art de la Villard de la Porte Lacanaillard. Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. En fait, elle s'est déjà fait capturer par l'autre. Je t'ennuie et la... Je t'ennuie. Putain, je sais pas lire. Je l'avoue. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la et rejoins la ville. Putain, tu rejoins la porte Quoi? de la ville. La porte la... Ouais, mais c'est que ça me fait rire en même temps, putain. Ah non, c'est court. Ah oui, il a la tasse verte et la tasse rouge, ouais. Ouais. Comme tout Et d'hab. même derrière. Bah, tu vois, le Pox, s'il aurait fait ce gameplay, il Même aurait même. regarde les brosses à dents. Oui, mais j'allais dire, même le Pox, il. Même le Pox, il aurait pas vu ce détail. Allez, Et allez. fais-le te battre en ton. Ah oui, la fameuse carte. What? What? C'est What? quoi? Ouais. Il y a un bug de texture, je crois. Ah oui, un sacré bug, hein, parce que Il bon. n'y a pas ça sur ce... y a pas ça sur le jeu. T'as vu le bâtard derrière? Enfin, le bateau plutôt. Ah bah voilà, premier chapitre. Du coup, cette fameuse transition que je te disais, que comme si que. Quand il y aura cette transition-là, c'est-à-dire qu'on se passera la manette. Bon, là, du coup, vu que c'est le début, c'est moi qui l'ai, tu vois. Avec. J'espère que tu es d'accord. Ouais, c'est bon, c'est bon. Votre ville de la destination. Votre ville de, la... de T'enregistres destination? bien ou pas? Oui, j'enregistre, oui. Bah, Ok, c'est bon. ok. T'inquiète. Ah oui, il y a les pupilles. Enfin, les pupilles. Les paupières de Mario sont carrées. Nous serons bientôt à Caire. D'accord. Nous serons bientôt à Caire. Waouh, putain, les souvenirs. Lol. Je connais les trucs par cœur. Je sais qu'à gauche, il y a un machin caché, mais on peut pas y aller tout de suite. Pardon, Moussaillon, nous sommes un peu en retard sur l'heure. Mais vous êtes sûr de vouloir débarquer ici? Je vous ai pourtant parlé du port de la canne pendant mes voyages. C'est en top Sachant le jour de ce cas, je n'essaierai pas de vous retenir. Mais je vous en prie, soyez prudents. Allez, à la semaine prochaine. À une prochaine. Il est en papier, le bateau. Mais Les... il est bien fait. Putain, il est mieux fait. Bah, c'est sûr, on est sur émulateur. Hein. Attends, on n'entend pas trop. Attends, j'ai pas monté le son à fond. Voilà, et ça, c'est pour save, en fait. Après, bon, Ouais, je m'en suis douté. c'est logique, hein. C'est marrant parce que les bombes, elles ont l'air Akbar, là. Hein. En même temps, il n'y a pas un S, c'est pas pour vous dire qu'il y a une salope, quoi. Là, non, il va y avoir une intrigue, voilà. Bon, j'arrête de spoil. Lol. Ah oui, ce gars. Ne fais pas l'innocentard. Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes étoilards. Ce que nous allons voir. Mieux. Ah non, gueux, pas mieux. Amenez-moi cette gamine au repère rare. Compris, grand, je sais pas quoi, j'ai pas vu. Oh? Que? Non, mais tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? En plus, c'est Goumélie. Elle s'appelle Goumélie, hein. Il faut que j'arrête. C'est celle qui s'est Comment mise. elle s'appelle? Goumélie. C'est celle qui s'est mise derrière Mario, hein. Mario, elle a rien à voir. D'accord. Goumélie, ouais. Bon, tu peux même faire des figures, il me semble. Crucero qui s'appelle? Je croyais qu'il s'appelait. Ah, tu peux faire des figures, ouais, t'as vu? Allô, là, il y a la RNG qui casse les couilles des fois. Il y a le décor, il tombe dessus. Hein. Ou sur les ennemis, ça dépend. Par contre, pour éviter, je sais plus comment on fait, faut faire B, je crois, avant qu'il attaque. Bon, normalement, il dure pas longtemps. Hein. Et plus tu fais de trucs stylés, et ben, le public, bon, là, il n'y a pas de public,
Le public t'emmènera des points étoiles et tout, et ça t'aidera, ça nous aidera. Et quand tu montes d'un niveau, tu peux choisir c'est les rangs aussi, tu vois. T'as des rangs, tu vois, aussi, comme dans Mario Luigi. Gueux, putain, là, Dieu, tu es plus fort que je pensais. Ouais, si c'est comme ça. Avec moi. Loul. Ah oui, putain, ils sortent de nulle part. Loul. Mais ils sont gogol, ces spirbes, regarde. Là, c'est tout con, tu vois. Par ici, par ici. Voilà, tu vois, ils sont cons parce qu'en plus, ils nous voient qu'on est à côté, tu vois. Oui. Bon, là il faut aller là-haut après. C'est très con. Loul. Y'a plus personne. C'est vraiment des winners, ces ennemis-là. C'est con, putain. Loul lui a fait un bisou. Je m'appelle Gomeli, tu vois, j'étudie à l'université Goomorbon, enchantar. Et toi qui es-tu? Mario, ce Mario-là, je m'attends. Si, marrant parce qu'il y a une corde pour se pendre derrière. Oui, c'est la potence. Je suppose que toi aussi, tu viens d'arriver en ville. En plus, ça bouge la corde. Moi, elle me plaît pas beaucoup, cette ville. Elle pue, j'ai cru qu'elle pue. Elle pue, elle pue d'individus plus louches les uns que les autres. Remarque, elle ne s'appelle pas pour la canaille pour rien. Je ne serais jamais. Ah, d'accord, pour la canaille. Oui, ici dans cette histoire de trésor légendaire. En fait, ils viennent tous pour le trésor légendaire, tu vois. Regarde les pianos derrière. Toi aussi, tu cherches le trésor légendaire. Mais comment ça se fait? C'est toi, Mario. Oh putain, t'as tout tout le. Mort les pianos. Ils sont en train de tabasser les autres. Oui, quelle bonne surprise de te voir ici. Rion. Mais en fait, que fais-tu à la pour la canaille? T'as écrit et envoyé une carte au trésor. Elle t'a donné rendez-vous ici. Où est-elle? C'est moi qui devrais poser la question. Si nous sommes arrêtés ici, ce n'était pas pour ravitailler le bateau. J'aime bien placer des mots rares dans les trucs, tu vois. Mais j'ai eu un moment d'inattention et la princesse a disparu. Mais ça, de toute façon, c'est. Est-ce qu'on s'y attendait pas? J'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite, mais elle n'a pas l'air de vouloir revenir du tout. Et puis s'inquiète pas, il se promène, il s'en bat les couilles. Je ne sais pas à quoi faire, je suis très inquiet. Mais ça me rassure de te voir, Mario. Oui, forcément, nous allons la retrouver. D'accord. Merde, j'ai pas vu la fin. Je vais aller me reposer dans l'auberge à côté. Putain, dis donc ce flemmardo. N'hésite pas à y aller toi aussi. Ah oui, c'est vrai, tu peux avoir ça te remonte tes vies. Par contre, faut payer, hein. C'est pas gratuit. Hein. Un passage à l'auberge permet de récupérer tes PC. Cette ville n'a vraiment pas l'air très sûre, elle y a plus tard. Princesse. La princesse Peach, dont il parle, c'est la princesse du royaume Champignard. Celle qui s'était fait enlever par le roi Bowser et est-ce que tu l'as délivrée? Est-ce que tu délivrais? Alors, c'est elle qui t'a envoyé. C'est elle qui t'a envoyé la carte au trésor. Je me demande où elle est bien. Elle a bien pu passer. Je ne sais plus lire. Très bien, alors allons-y. Voilà, donc c'est Gomili, c'est la première partenaire à rejoindre le gang de Mario, enfin l'équipe de Mario. Et chaque perso, ils ont une inhabilité, tu vois. Attends, il fallait voir Goomstein, du coup. Je connais la truc, du coup, je sais où je vois alors. Goomstein. Oui, il s'appelle comme ça. Il a dit qu'il faut sauvegarder, tu vois. Mais bon, on a déjà sauvegardé. Goomstein, c'est le... C'est con comme nom, hein, mais... Loul. Bon, mais il exagère. Fais gaffe, hein. Loul, je connais la map par cœur, je vais... Allez, on va aller voir Goomstein. Je sais plus où c'est, je crois que c'est là. Ah, c'est là. Mais, écoute la musique. La musique de Goomstein, elle est vraiment drôle. Ah oui, t'entends plus le son, du coup, toi, la merde. Non, j'entends pas, mais... Tu peux pas le monter? Il est à fond dans le partage. Merde. Ce que j'entends, c'est ton écho. Enfin, c'est ton. L'écho du dans, jeu. Dans le micro. Ah oui, c'est vrai que ça fait un peu chier du coup, putain. On lit même pas ce qu'il dit, lui, là. Ça y est, j'ai trouvé. Comme il est, tu étais dans ma classe sur l'Antiquité l'an dernier.
C'est marrant parce que comment ils font pour écrire, ils ont pas de bras. Chacun y va à sa petite histoire, et il est difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, je sais qu'il faut Ils ont fait trouver le des, ils ont fait des copies pasta de livres. vrai. Oui, ils sont pas fait chier, hein. Oui, pour ouvrir le trésor légendaire, il faut les 7 gemmes étoiles, forcément. Et ils sont tous dispersés dans la carte, sinon c'est pas marrant, tu vois. Comment il fait pour attraper un livre, le Goomba? Très bonne question. Déjà, comment il fait pour les... Pour... T'as vu, il a les lunettes de catastrophe, un peu, hein. Regardez, si nous avions... Mais il a la carte, Mario. Quoi? Oh, c'est vrai. Tu me la montres, tu veux? Ton frère, moi, tu veux? Là, il jouit, là. C'est bien elle. C'est l'authentique carte magique. Incroyable, tu es formidable, sensationnel, exceptionnel. Avec cette carte, nous irons devant la porte de la légende. Ah, je crois qu'il va venir avec nous. Cette barrière devrait pouvoir s'ouvrir. Lol, comment il l'a ouverte? Lol. Et là, en fait, tu vas dans le sous-sol. Au fait, Mario, tu as pensé à sauvegarder? Non, parce que nous allons rencontrer des... Oui, voilà. Nous allons rencontrer des ennemis. Il faut bien penser à XP, hein. Oui, la commande action, c'est comment... Non, mais j'avais dit non. Ah putain, c'était non qu'il fallait mettre. Mais Loul, on va se battre contre... Ah, c'est mieux, quoi. C'est con. Oui. T'imagines, t'es avec un poteau comme ça, tu vas voir un vieux schlag, il te dit je vais t'apprendre à te battre, et il force ton poteau à t'attaquer. C'est B, hein, c'est bien B pour contre-attaquer du coup. Ah oui, là il y a du combat là. Oh putain. Tu aurais dû save, on sait jamais si jamais ça plante ou. Ouais, c'est vrai. Dis donc, l'ami, elle est mignonne ta copine. Regarde-les. Alors ma jolie, ça te dit... Oh, il a dit ta copine, hein. T'as déjà vu un Mario en couple avec un Goomba? Alors ma jolie, si Mais... tu veux de venir t'amuser avec nous, on est très gentils. Eux, c'est vraiment des caca, eux. C'est pure beauté qui compte. Fichez-nous la paix, vous n'êtes pas mon genre. Je répare. Il nous manque de respars, là. On est poli et il nous agresse. On va leur apprendre la politesse, ça. Voilà. Il y en a un que tu peux pas lui sauter dessus. Il faut le martard. Il y a un autre qui vole, du coup faut pas lui. Là, on peut les indiquer du coup. Sinon ça nique un tour. Hein. Voilà, tu vois, c'est un par Goomba, il a des ailards, il est vénard. 2, tu vois, puissance 1, PC max, défense 0. Impossible de te frapper au marteau. Voilà, tu vois. Ah putain, oui, on peut pas taper ceux qui sont derrière, t'es obligé de taper ceux-là, quoi. Loul, ils ont pas beaucoup de PC, hein, ils sont nuls à chier. Putain, par contre, pour contrer... Ah ouais, putain, c'est chaud, c'est vraiment au dernier moment, hein. Voilà. Oui, ils ont 2 points de vie, les Goombas. Bah, c'est du Goomba nul, quoi. Que plus tard, tu vas voir qu'on va rencontrer des Goombas un peu plus coriaces aussi. C'est classique. Attends, il y a un truc derrière, non? Ouais, je sais plus où aller par contre. Ouais, c'est logique, de toute façon, on peut aller que là. On est déjà 20 minutes en vrai. L'argent, c'est bien. Oui, c'est complètement con, ouais. Attention, si j'aurais mis. Oui, bon, c'est logique, si j'aurais sauté sur un ennemi qui allait pic-pic là, je sais pas. On serait pris le pic-pic dans l'illimité d'objets aussi, hein. What, what? Mais pfff! Ah. Un point de vie. C'est bien, c'est que le point de vie donne aux deux persos. Donc je crois qu'ici ça te bloque après. Voilà, tu peux pas y aller là. Ah oui, et les soleils, il faut les récupérer, c'est important aussi. Tu verras plus tard. Les soleils shiny. Ils sont plus aspirés comme dans un shift. C'est con. Oh, un Pouni. Je connais les noms par cœur, c'est ouf. Hein. Des ennemis. Eux, par contre, je sais plus c'est quoi. Oui. Un Inya. Inya. Inya.
Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Il y a un machin à tirer là, non? Oui, mais on peut pas le tirer encore. Oui, de toute façon, c'est trop facile à trouver les trucs. Hein. Il faut une clé là, de toute façon. Il va dire que oui, ah, tu m'entends ma voix, alors. Oui, j'en ai. Non, non. Ah, une méchante sorcière. Et depuis tout ce temps, je suis en train de lire dans ma tête alors que faut que je lise à voix haute. J'attends la venue du héros. Mais au fait, quand il dit héros, je pense à l'autre gogol dans Smash. Que fais-tu ici? Je sais pas. Il faut croire que tu vois, ce que je raconte sur ce coffre, je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire que nous cherchons. J'étais en train de regarder un autre truc. Mais zut de zut. C'est moi qui viens de le dire. Je vois, vous cherchez les gemmes étoiles, tu es donc bien le héros. Pour mettre la main sur les gemmes, le pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors je cherche la clé de ce coffre, on l'a vu en plus. Et fais-moi sortir de là. Je crois qu'on peut pas la prendre. Ah si, je crois qu'on peut la prendre. Attends, la clé elle était bien à gauche là. Je sais plus, j'ai pas vu de clé. Donc... Ah oui, il était là, ouais. Je vous dis à bientôt. Dis au revoir. Dis au revoir aussi. Et wow. Au revoir personne. Incroyable.